Tout le monde, nous voici de nouveau réunis pour obtenir un ou des messages de l'archange Gabriel afin d'aider une ou plusieurs personnes. Donc, quel tarot je prends, archange? Alors voilà, tu prends celui que tu veux. Ah, c'est malin. Alors, bah, je vais prendre celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris et j'aime bien celui-là, il est très joli. Alors, j'ai regardé hein, l'oracle Greenwich Oracle, c'est. Le tarot de. C'est l'oracle de la sorcière verte. Voilà. Alors, on va prendre le tarot des archétypes de Bernard Chomel. Quel va être le message de l'archange Gabriel pour aujourd'hui, pour les amis qui regardent cette vidéo? Message de l'archange Gabriel pour les amis qui regardent cette vidéo. Allez, c'est parti. Hop là, on a trop là. Hop, oh bah celle-là s'est retournée. Je voulais la retenir, mais non. Alors, l'archange Gabriel, donc on a la carte du détachement et de l'attachement. On continue à prendre les interprétations qui sont en haut de la carte. Donc, elle est tombée à l'endroit, donc on prend le détachement. D'accord. J'en tire d'autres de celui-là. Donc, ce seraient des personnes qui seraient dans le détachement actuellement, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, ma 14, je suis désolée. Donc le détachement par rapport à une ou des personnes ou par rapport à une ou des situations. Hein. Ce sont des personnes qui sont donc dans le lâcher-prise, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, ma catoche. Alors, ben voilà, une belle carte aussi. Donc la foi en haut, le doute en bas. On a dit qu'on prenait les significations qui sont en haut quand les cartes sont à l'endroit. Donc ce sont des personnes qui sont restées dans la foi, c'est ça? Et qui le sont toujours. Et qui ont fait un lâcher-prise. Ah, alors moi, je suppose que la prochaine carte... Ça va être quelqu'un qui, comme il avait fait un lâcher prise, il reste à la fois, il va peut-être obtenir ce qu'il a souhaité, non? Ça serait bien. Hop là. Donc là, deux cartes qui tombent. La liberté, la reconnaissance. Bah tiens, qu'est-ce que je disais? Alors voilà, donc la liberté et la reconnaissance. Eh bien, c'est formidable ça, Archange. Donc ce sont des personnes qui ont été dans le détachement ou qui sont dans le détachement, qui ont fait un lâcher prise ou qui font un lâcher prise. Ou qui vont faire un lâcher prise si ça n'a pas encore été fait. C'est ça, hein? Elles ont gardé la foi ou il faut qu'elles la conservent la foi parce que de toute façon, au final, elles vont obtenir la liberté, la libération de tout ce qui entravait leur bonheur. Et puis, ça va en plus entraîner une belle reconnaissance. C'est ça, Archange? Oui, voilà, tu es forte, Katoche? Ah, cool. Alors, en tout cas, j'adore ces. Quand ce sont des belles cartes, parce qu'il n'y a pas que des belles cartes hein, dans le jeu, hein, mais évidemment, puisque en bas, vous voyez bien, en bas, ce sont tout l'inverse. Hein, la haine, la tristesse, le mal-être, l'abandon. Là, elles sont toutes tombées à l'endroit, donc on prend les significations d'en haut. Donc c'est un très beau tirage pour vous, les amis, je suis contente. Parce qu'effectivement, ben, on ne choisit pas le tirage, hein, ça peut tomber dans un autre sens. Alors, Archange, est-ce qu'il faut rajouter quelque chose? Oui, voilà leur nom. Tu as tout dit, Katoche. Donc voilà, tout va s'arranger pour ces personnes. Oui, voilà. Et quoi d'autre? Rien. D'accord. Donc je fais pas d'autres tirages. Et puis on dit à bisous bisous à tout le monde. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ah bah c'est super comme vidéo. Je suis contente de pouvoir vous passer ces beaux messages. À bientôt et bon courage à tout le monde. Bisous bisous.